Wesh les mecs, c'est Monster, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, like, vidéo particulière. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un squad builder comme je vous l'avais promis les mecs, on est mercredi, je l'attends mercredi à sort vers 18h les potos comme d'habitude. Donc les mecs, pour moi, aujourd'hui je vous présente une équipe skill de dingue les mecs. Donc c'est une équipe skill hybride, BBVA brésilienne les potos. Vraiment là je vous présente du lourd, mais du très très lourd les mecs. Et franchement ça fait très longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à jouer avec une équipe les mecs. Coûte un peu cher, et pour son prix pas très cher, enfin pour ce qu'elle vaut pas très cher les mecs, parce que franchement c'est une équipe de dingue les mecs. Donc on va vous la présenter tout de suite, mais bien sûr avant ça veut commencer, je peux lâcher un gros pouce bleu les mecs. Aujourd'hui en ce moment on augmente très vite, donc comme tu lâches ton petit pouce bleu, comme ça moi j'augmente encore plus sur YouTube, ça ferait plaisir d'atteindre les 500 abonnés le plus vite possible. Et tu t'abonnes bien sûr si t'es pas encore abonné, poto, c'est la base. Les mecs, on commence avec le goal. Donc Farman acheté pour 2200, 21 matchs avec lui. Donc voilà, une très belle carte à 83 de plongeon, voilà, 87 de réflexe, 85 de précision. Ouais, il a une très bonne carte les mecs, et voilà, il déçoit pas, 84 de général les mecs. En latéral droit, Danilo. Donc les mecs, donc lui acheté pour 800, voilà, il est donné 79 de fusil, 80 de vitesse, 70 de tir, 4 tonnes de mauvais pieds. Franchement les mecs, pff, voilà, une carte qui se fait 79 de physique pour 400 de vitesse pour un latéral. Pas grand chose de mieux pour 800 crédits. Après les mecs, Naldo, donc acheté pour 4500, donc lui est joueur de chaque 04 brésilien. Il a 69 de tir pour un défenseur central, lui les mecs. Donc voilà, il fait 1m98, il est super fort. Après David Abraham, donc lui c'est un joueur que je connaissais pas dans la vie irréelle. Et voilà, donc lui je le prends dans le jeu parce qu'il a 80 de vitesse pour 76 de physique, ce qui est totalement énorme. Il fait 1m81, donc il est très grand. Donc voilà, vraiment une très 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 belle 80 de vitesse pour un défenseur central. Les mecs, je peux vous dire que c'est du lourd. Après latéral gauche, Ricardo Rodriguez, les mecs. Donc voilà, 74 de vitesse, 75 de physique, 80 de défense. C'est une très très belle carte aussi, les mecs. Après Rafael Rafinha, enfin voilà, Rafinha, on l'appelait comme ça. 4 étoiles de technique, 4 étoiles de mauvais pied. Je l'ai pris pour ces 4 étoiles de technique, bien sûr, parce que voilà, c'est une équipe skill, les mecs, faut pas oublier. Donc un 4 étoiles de technique, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, il a une très très belle carte, les mecs. Après en MC, les mecs aussi, on a Thiago Alcantara, 5 étoiles de technique. Tout simplement, bientôt les mecs, je vais m'acheter sa version informe et je pense que vous ferez une vidéo sur lui. Et les mecs, après en MOC, Ruliano, donc lui, je vous ai fait une vidéo sur lui, les mecs. Donc voilà, super fort, 15 matchs avec lui, 8 buts, 3 passes décisives, 85 de vitesse, 86 de tir. Il a une carte énorme, les mecs. Il a une carte énorme en ailier droit, les mecs. Lucas Moura, donc 93 de vitesse, voilà, tout dit, 4 étoiles de geste technique. Après en buteur, Gabriel Rezou, 5 de geste technique, les mecs, 4 de mauvais pied, 86 de vitesse, 76 de tir. Voilà, je pense que lui, tout le monde le connaît depuis qu'il est arrivé. Et ça fait super plaisir de l'avoir dans le jeu. Et en ailier gauche, Douglas Costa, donc voilà, 92 de vitesse, 78 de tir. Voilà, il y a une carte énorme. 21 matchs avec lui, 9 buts, 5 passes décisives, les mecs. Maintenant, les mecs, je vous présente l'équipe en elle-même. Oh là là, voilà, faut ta chicha entouré tes beubeux, capote sans chichi, gros huc en le, tu veux mon bien, y'a pas de sous ça, je veux pas mon bien, trop souvent sous ça, j'ai fait du mal à petit cœur frage. Tout de suite les mecs. Les mecs, on va voir sa petite équipe. Donc on a lancé du Fut Champions les mecs, donc la qualification, parce que la semaine dernière j'ai pas le temps de finir mon Fut Champions les potos. Donc voilà, donc il a une BPL, je ne m'y attendais pas du tout, mais je te promets que mec, je vais te casser la gueule frérot. J'ai une équipe skill de malade là, je vais te skiller à la gueule. Et les potos, vraiment, on va essayer de tout niquer et faire un gameplay sale. Allez. Ouf. Oh là là, les mecs. Attendez. Je fais que du sale sur Paris. Hop. Oh, loops, oh, oh, mec. On compte sa fille qui passe. Oh non. Oh non. C'est grâce au coach à flic, les mecs. J'ai lâché un cri de salope. Mais je m'en fous, attendez. Oh non, il remonte pas le coach à flic. C'est n'importe quoi qui s'amène contre son camp. Mais voilà, c'est le cadran qui a fait une merde. Donc voilà, les mecs, 1-0. Voilà, en 8ème de qualification champion. Donc ça va pas être très difficile normalement, les potos. Et voilà. Donc superbe but de Douglas Costa. Et franchement, je m'attendais pas à ce 40, les potos. Allez, Gabriel Jesus qui part dans la profondeur, les mecs. Allez, 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 allez. Il résiste à Smalling. Magadi spin. Enroulé au premier bouton. Non, oui, il est but. Et les schlags, regarde mon dame. T'es malade, bitch. Regarde le dame. T'es malade. Les mecs, mais voilà, ça fait 2-0. Magadi spin. Enroulé au premier bouton qui rentre pas. Et voilà, place du pied. Gabriel Jesus, les mecs, franchement, c'est un coup de cœur aussi. Et franchement, là, pour l'instant, j'ai pas la thune parce qu'il vaut 200 000, je crois. Mais dès que j'ai l'argent, je peux vous dire que sa carte boost, les mecs, je vais la saigner. Mais je suis pas encore là du tout parce que d'abord, faut que je m'achète encore plein de joueurs, les mecs. C'est passé.
s'est passé. Oh le but on voit que la finition, c'est dommage. Voilà un super but les mecs encore. Oh, Rashkid peut-être. Non, je pense que c'est Rashkid, c'est sûr. Voilà les mecs, Rashkid. Donc allez, on va faire un deuxième match. On va faire un deuxième match les mecs, parce que c'était un peu facile. C'était un peu facile. Du coup les mecs, là on est en quart de finale de FUT Champions. Donc j'espère qu'on va gagner, j'espère qu'on va pas tomber contre un mec trop chaud. Équipe cheatée, tu envoies là encore une DPL. Je ne m'y attendais pas du tout les mecs, franchement non, pas du tout. Hein. Moussa, Sok, Soko, voilà, Bellerin. Delali la base, Boucho et Daïs la base aussi, hein. Smalling aussi, voilà les mecs, donc une équipe encore cheatée. Allez, on va essayer de lui mettre du sale encore à lui aussi. Allez les mecs, Rouliano, non, première occasion les mecs. Je pensais que c'est leur entrée parce que Rouliano normalement ça pardonne pas. Le mec il a l'air vraiment beaucoup plus fort que l'autre, donc on va essayer de se concentrer les mecs. On s'est jeté, ça a pas pardonné, je pense. Et oui, bah c'était sûr. C'était sûr, les mecs, c'était sûr. 1-0 pour lui, c'est dommage parce que franchement, il ne mérite pas. On a eu deux très grosses occasions. Et je me suis jeté, ça paye cash. Allez, mecs, c'est une grosse blague ce match. Bellerin qui mise. Je sais pas si c'était gros sur une cam, franchement. C'est compliqué. Eh mec, c'est la fin du match, donc je suis désolé franchement. Sur ce match-là, le gameplay était pas nickel. Surtout sur le premier, j'arrive vraiment bien, mais là franchement, je pensais pas que j'étais éliminé. Là franchement, mais là je suis tombé contre un mec qui était assez bon et qui avait un jeu franchement insupportable et qui méritait pas forcément de gagner les mecs. Son jeu, il faisait que des passes. Bah bref, j'ai vraiment ragé dans le match. Vous l'avez pas vu à la vidéo parce que je vais couper, mais j'ai ragé comme un porc les mecs parce que c'était insupportable. En tout cas les mecs, voilà, c'est vraiment une équipe skill de fou. Pardon, c'est vraiment l'équipe skill la meilleure que j'ai testée. Pour moi qui aime beaucoup skiller les mecs. Donc voilà les mecs, je vais m'améliorer en skill. Vous inquiétez pas, bientôt je vais pouvoir faire des vidéos de malade avec cette équipe. On se retrouve normalement demain pour une vidéo ouverture de récompense de Champions les mecs. Donc soyez présents les mecs. Je suis pas sûr qu'elle sortira demain, mais je pense qu'elle sortira demain les mecs. Donc allez, c'était Monsieur Ciao. Abonne-toi pour tout. Like, ça ferait plaisir. Restez Monsieur Ciao. Ciao.